que l'hôpital et les soignants, les secrétaires et tous ceux qui travaillent dans la fonction publique soient mieux reconnus par l'État, que nos salaires soient revalorisés et qu'on nous donne les moyens de travailler correctement. On est souvent parfois oublié alors qu'on fait partie quand même d'un maillon, on est un des maillons quand même de l'hôpital qui est quand même très important parce que sans secrétaire, l'hôpital ne peut pas fonctionner. Ah, je pense que le Grenelle de la Santé, comme d'habitude, va oublier tous les secrétaires médicaux et tous les administratifs, comme la plupart du temps. Nos directeurs, c'est des malins. Ils ne parlent plus de rendement, ils parlent d'optimisation. Ils ne parlent plus de faire face à une situation et de répondre à une problématique. Ils nous disent, on va voir comment on va vous accompagner pour faire face à ce problème et comment vous faire en sorte que vous fassiez le chemin avec nous. C'est pas ça qu'on demande. Nous, on demande des moyens, on demande la possibilité de ne pas renoncer à ce qui a fait de nous des soignants. On veut soigner les gens. Le prendre soin d'eux, ça fait partie de notre ADN. À l'évidence, ça ne l'est pas de nos dirigeants, ça ne l'est pas des gens qui sont aujourd'hui dans une situation de pouvoir tels que nos directeurs d'hôpitaux, tels que un certain nombre de gens au ministère ou dans les ARS. Et ça, les soignants que nous sommes, ça nous marque parce qu'on ne vient pas à l'hôpital pour rien. On parle des soignants en particulier, mais je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'une secrétaire, un cuisinier, un électricien, un laborantin, un manipulateur radio, il ne vient pas à l'hôpital public par hasard. Le prendre soin d'eux, ça fait partie de notre ADN. Et je crois que tant qu'on n'arrivera pas à faire entendre ça de la part de nos dirigeants, c'est qu'on aura raté quelque chose. Et à l'évidence, depuis un certain nombre de temps, on ne parle plus la même langue. Quand on est en commission, quand on est dans les instances hospitalières, on voit bien qu'on ne se parle, on n'arrive plus à se comprendre. Le langage des soignants, toute spécialité confondue, tout métier de l'hôpital public confondu, n'est plus entendu par nos élites. Et je mets dans les élites nos directeurs d'hôpitaux, nos DRH, qui sont complètement hors sol et ne comprennent plus ce qu'on veut leur faire entendre. Moi, ce que je veux, c'est qu'on revalorise tous nos salaires, surtout les plus bas. C'est important, parce qu'on est vraiment en bas. Moi, ça fait 20 ans que je travaille à l'hôpital. Je gagne à peine 1750 euros. C'est pas normal. Dans les 1750 euros, il y a un week-end sur deux. Depuis la crise du Covid, oui, effectivement, on parle plus des aides-soignantes, des infirmières. Est-ce qu'on va continuer à parler de nous? Parce que là, dans les médias, dernièrement, la journée d'aujourd'hui, on n'en a parlé qu'aujourd'hui. On n'en a pas parlé dernièrement. On parle des violences. Mais nous, la violence aussi au quotidien qu'on reçoit de la part des patients, on n'en parle pas. Des patients qui sont impatients, on va dire comme ça, et de plus en plus, ils ne supportent plus d'attendre, ils ne supportent plus d'être dans l'attente, voilà, et ils sont très agressifs envers nous, donc on leur explique que c'est pas de l'instantané, la médecine, c'est des examens, il faut attendre des résultats, et les patients ne veulent pas attendre des résultats, donc ils sont agressifs. Et la reconnaissance, elle est très difficile à avoir. Défilé au 14 juillet, non. La médaille, non. Je pense que M. Macron peut se la mettre dans une poubelle. Il n'y en a pas une par là? Si, je pense. Non, franchement, il faut arrêter de se moquer du monde. Franchement, il faut arrêter de se moquer du monde. Le Ségur de la Santé, c'est pareil, c'est de la poudre aux yeux. La médaille, c'est de la poudre aux yeux. Ce qu'on veut, nous, depuis des années, c'est d'être reconnu, d'avoir un point d'indice qui augmente et d'avoir 200 à 300 euros supplémentaires sur le salaire pour pouvoir vivre correctement. Voire des années. Donc nous, les syndicats CGT, CFDT Sud,
APH, collectif inter-urgence, inter-hôpitaux. On dénonce les politiques d'austérité des gouvernements successifs ayant entraîné la dégradation du système de soins que nous connaissons aujourd'hui. Le gouvernement du président Macron n'a pas fait exception à la règle. Depuis plus d'un an, le personnel hospitalier se mobilise pour dénoncer une situation qui est devenue intenable dans les hôpitaux publics. Cette mobilisation exceptionnelle, qui a d'ailleurs contraint le gouvernement à élaborer un plan d'urgence pour l'hôpital fin 2019. Pour une revalorisation de nos salaires, pour plus de personnel, pour faire de la bientraitance auprès des personnes âgées. Voilà. Plus de personnel, plus de moyens et voilà. Ça fait du bien, on voit qu'on est mobilisé et on espère que ça va continuer, quoi. Voilà. Des améliorations de tout, au niveau des conditions de travail, du personnel en plus, parce qu'on le ressent vachement. Et une amélioration de la prise en charge des patients qui est moins d'attente. Et voilà. On vient de terminer les prises de parole sur la manifestation qui a réuni certainement plus de 5000 personnes, usagers, personnel de la santé, des hôpitaux. Vraiment, c'est une grande réussite. Je pense que ça va bien servir à mettre la pression sur les discussions nationales. Et on espère bien qu'on verra arriver une vraie réforme. En tout cas, on remercie l'ensemble des personnes qui ont participé à cette manifestation exceptionnelle. Et il est possible qu'il y ait d'autres rendez-vous.